Donc, on va faire ça. Mais dis-moi, on va faire ça. On va faire ça. C'est ça. Esprit de paix, de justice sociale et de liberté, le camarade stratège Ahmed Sétoubri. Cette disparition, ressentie comme une onde de choc, ébranla l'univers des peuples pris de paix et de justice sociale par des ressentiments et des désespoirs, des frustrations, car l'unique défenseur de la cause commune juste s'en est allé. Ce fut une perte immense, pour paraphraser certains de ses homologues, avec lesquels il transcenda des conflits dont je suis aurait été les plus incertains de la planète. L'on se rappelle encore de la guerre Iran-Irak, à l'époque où les belligérants étaient décidés à se rayer l'un ou l'autre de la carte du monde. Deux belligérants de la mouvement islamique qui, sans l'implication du président M. Sétoubri, serait arrivé à l'apocalypse. En Afrique, le conflit entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario pour le contrôle du Sahara occidental est encore vivant dans nos esprits. Ce conflit était en voie de règlement définitif si Dieu le Tout-Puissant, l'Omnipotent, avait accordé une vie plus prolongée au président Ahmed Sétoubri sur cette terre. Ce qui relève d'une bien plus de plus, parce que croyant que nous sommes, savons que chaque âme est régie par un tel infaillible. Il faut souligner que dans les cinq continents, le président Ahmed Sétoubri a laissé une empreinte indélébile de bienfaits, de mensonges, de passage dans ce monde cruel d'une égalité absurde. La Guinée, le pays qui l'a dirigé pendant les 26 ans, a connu grâce à elle une prospérité de gouvernance sans égard dans tous les domaines de la vie publique et sociale. Sur le plan économique, l'essor du développement dans la sous-région avait atteint un niveau supérieur. Les services sociaux de base, eau et électricité, avaient été assurés, ce qui explique la prolifération des usines et fabriques parsemées sur tout le territoire national. Sur le plan de l'éducation nationale, plus de 85 000 cadres supérieurs et moyens avaient été formés en Guinée et à l'extérieur dans des centres et universités étrangères. Sur le plan de la sécurité, notre pays a connu une sûreté sans faille sous le magistère du président Ahmed Sétoubri. Sur le plan de la culture, le constat était réjouissant, car la culture guinéenne a rayonné sur tous les continents. Aujourd'hui, l'heure est à la capitalisation et à la sauvegarde des œuvres du responsable suprême de la Révolution, dont les efforts pour hisser la Guinée au sommet de la gloire est incontestable. Il faut avouer que de 1958 à 1984, le régime qu'il a dirigé, notamment le PDG Adrian, a fait un parcours élogieux. L'indépendance découverte a été sauvegardée en dépit des multiples attaques endurées. À la mort du camarade Ahmed Sétoubri, l'État était debout et respecté. La nation guinéenne était une réalité. Le pays était calme et l'ordre régnait. La justice était garantie. Tout citoyen pouvait circuler librement, s'établir partout où il désire sur le territoire national. Élire et prospérer partout. L'influence de la Guinée en Afrique et dans le monde était sans commune mesure, avec l'étendue de son territoire, le nombre de ses habitants et l'importance de sa richesse mesurée en termes de PIB.
des progrès notables avaient été accomplis. Alors, dans le domaine du développement économique, de la scolarisation, de la promotion, de la culture africaine, de la santé. La coalition était combattue. L'égalité et l'équité avaient un sens comme le monde des accomplissements dans le domaine de la réhabilitation des hommes de caste et esclaves de caste, de la promotion et de la protection des droits de la femme. Bien longtemps, avant que les organisations internationales ne s'emparent de la question de la promotion de la jeunesse et de la promotion de la femme. Encore aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire que les infrastructures et les victoires dont le pays peut s'enorgueiller sont dues à l'action que le responsable suprême de la révolution de Camarade Amédée Touré et son régime ont réalisé. Gloire éternelle au peuple militant de Guinée, gloire éternelle au Camarade Amédée Touré et à tous ses compagnons. Je réponds à cet appel de piété, de recueillement, à la mémoire du vieux président Ahmed Sékou Touré. Le président Ahmed Sékou Touré, sa mémoire est un patrimoine pour le peuple de Guinée. Un patrimoine par son combat en tant que libérateur de cette nation, en tant que père fondateur de l'État, en tant que combattant de la liberté pour l'Afrique entière et aussi du monde entier. Je voudrais juste rappeler que Ahmed Sékou Touré, ce n'est pas seulement une affaire de parti du PDG, c'est aussi une affaire de toute la Guinée et de toute l'Afrique. C'est pourquoi tous ceux qui sont là sont venus se recueillir. Ahmed Sékou Touré est né à Parana. C'est un Touré de Parana. Sa mère est de Albanéria, de Kissidougou. Lui-même, il est né à Sidaporo. Sidaporo, c'est à 40 km de Parana. Il est Touré par coïncidence. Aussi, c'est un fils de Parana. Et je crois que toute la Guinée sait que c'est un fils de Parana. Je voudrais surtout profiter de cette occasion pour dire aux autres Touré que désormais, tout ce qui concerne sur le plan strictement humain, social et fraternel, ils sachent que Parana est là. Et à ce jour, Parana vient de faire un sacrifice de 52 à la mémoire pour intercéder en faveur de Ahmed Sékou Touré, en faveur du peuple de Guinée, pour qu'il nous pardonne nos péchés. Pour que nous reconnaissons tout simplement, nous connaissons le bonheur. Nous remercions surtout le CNRD qui a pris l'initiative de réciter la conception de votre très cher père pour nous réciter dans ses droits et dans ses dignités. Et nous prions aussi de continuer son œuvre comme l'aéroport qui vient de baptiser. L'aéroport a bien soutenu. C'est comme ça au Togo, il y a soutenu il y a demain. C'est comme ça au Sénégal. C'est comme ça partout en Afrique. C'est comme ça aux États-Unis. C'est l'histoire. L'histoire est détruite. On ne peut rien. Il faut que nous acceptions ça. Chacun a sa place dans l'histoire. Et nous remercions tout ce qu'on fait de notre place. Votre nom. Moi, c'est Ode Kefa, la camarade. Le candidat de Parana. Le président de ressortissant de Parana, Moukati. Des autochtones guinéens pour que l'Église ait où s'asseoir dans cette ville et ailleurs à l'intérieur du pays. C'est ma conviction. Mais par rapport à cette propriété sans démagogie, j'ai dit, ça appartenait à un étranger. Il l'a acheté avant même d'être président de ce pays. Je suis du nombre de ceux qui ont participé. C'est le chalet que vous voyez, c'est la seule propriété qui était sur ce terrain. Ce chalet, vous le fumez. Tous les autres ont été réalisés par la suite. Par sa générosité, il a fait de cet endroit le lieu d'émergement de toutes les délégations officielles étrangères de grande importance. Monsieur, mesdames, le destin a logé ici les membres du gouvernement venus pour l'installation de l'artiste, le diplomate ici présent. Très chers invités, en ce jour solennel plein de souvenirs
où le destin a conduit le 26 mars 1984, notre très cher grand pays, la République de Guinée, l'Afrique, tous les peuples du monde ont pris de paix et de justice à la douleur, la consternation. Permettez-moi de rendre un grand hommage au fils du peuple, ce baobab qui est tombé arme à la main, mais aussi à ses compagnons de lutte d'avant et d'après l'indépendance qui ont poursuivi cet idéal et noble combat. Nous devons tous retenir dans les mémoires que la date du 25 août 1958 reste historique pour les pays africains, car ce jour, la déclaration solennelle du responsable suprême de la révolution, nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage, a ouvert les portes de l'indépendance aux ex-colonies de l'AOF, de l'AEF et de Madagascar. Cette date est aussi le début du déclenchement de la lutte entre la jeune Guinée et la France colonisatrice. La détermination de la Guinée pour l'indépendance des peuples était sans répit. Lors de sa première participation en 1959 à l'Assemblée générale de l'ONU, où l'on notait la présence de la communauté franco-africaine, dirigée par des Français, Cyrana le Malgache, de Fouette-Boigny, Senghor. La Guinée n'a pas hésité un instant de dire à la tribune des Nations Unies que l'indépendance de la Guinée est liée à celle de toute l'Afrique et que quand une portion du continent sera sous le joug colonial, la lutte continuera jusqu'à la décolonisation totale de l'Afrique. N'est-ce pas un motif de détermination de la France à anéantir la jeune République de Guinée après la déclaration du 25 août 1958. بسم الله الرحمن الرحيم.